inclus dans l'accompagnement conseil aux PME à l'insertion socio-économique des populations vulnérables depuis pratiquement près de 15 ans. Je vais ici rendre un vibrant hommage à la Banque mondiale qui, à travers le puits du CAS, a permis à l'agence Côte d'Ivoire PME de se rapprocher de l'écosystème régional de San Pedro en ouvrant ce bureau que j'ai l'insigne honneur de diriger. Ce bureau a essentiellement pour mission de favoriser la création des PME en région, d'améliorer l'accès des PME régionales au financement et au marché public et privé, de renforcer les capacités techniques et managériales des PME, d'améliorer le climat des affaires en région, notamment dans cette région de San Pedro, et en dernière étape, de promouvoir la culture entrepreneuriale et l'innovation. Au titre des activités entreprises par le bureau régional de San Pedro, disons que de notre ouverture à cette date, nous sommes à un quota d'environ 6 000 visiteurs que le bureau régional a reçu en son sein. Ces 6 000 visiteurs sont venus pour des différents besoins, qui sont entre autres la soumission de leurs dossiers au FSPME, l'appui à leur productivité dans le cadre d'un programme d'appui à la productivité que nous avons finalisé avec un de nos partenaires techniques et financiers qui se trouve être la GIZ. Sur l'ensemble des résultats productifs à l'acquis du bureau, à ce jour, nous sommes à environ 627 millions que nous avons octroyés à 34 PME dans le cadre du FSPME. 54 entreprises de la région ont été accompagnées à l'amélioration de leur productivité à travers des programmes d'accélération et du renforcement de leurs capacités via des formations en ligne et en présentiel. Je suis fort d'une expérience de 8 ans d'expérience, dont 4 dans le secteur de la microfinance et 4 autres dans l'appui au secteur privé. En tant que conseiller en développement d'entreprise, nous avons entre autres la charge de participer à la mise en œuvre du programme entrepreneurial du Puy du CAS, qui est financé par la Banque mondiale, et assister les dirigeants des PME entrepreneurs dans la mise en œuvre des renforcements des capacités et aussi participer à la rédaction des business plans au profit des entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Il y a certaines entreprises aussi qui peuvent ne pas bénéficier. Donc c'est aussi de les aider à les orienter vers les microfinances ou bien les structures bancaires ou les structures financières qui sont là, que vraiment en les aidant à formuler ou bien à compléter toute leur documentation pour que vraiment ils puissent avoir accès à ces financements-là. Nous gérons San Pedro, le Guaclé, la Nawa, dans le secteur de l'industrie touristique. Le bureau de développement économique régional de l'agence Côte d'Ivoire PME à San Pedro, nous l'avons connu par des agents de l'agence Côte d'Ivoire PME qui nous ont visités dans nos locaux. Ils nous ont informé que le bureau est installé dans le Bas-Sassandra. Alors, après des échanges, nous avons localisé le bureau et nous sommes rendus dans le bureau pour les civilités. Dans nos fonctions de directeur d'entreprise, le bureau nous a assisté avec un projet pour le renforcement des capacités. Et après aussi, le bureau nous a assisté dans le projet de la COVID pour des appuis. Je crois qu'on a bien collaboré. Nous sommes là-dessus. Ça marche très bien. Et nous sommes à parfaite harmonie dans les échanges de mails et des téléphones, et je crois que le dossier avance très très bien, et nous avons confiance à l'agence Côte d'Ivoire PME qui travaille d'arrache-pied à l'effet de mener bien les actions des appuis. Au niveau de la formation de la FINET aussi avec l'agence Côte d'Ivoire PME, nous sommes en train de développer pour des renforcements de capacités dans le secteur de l'industrie touristique, notamment dans la restauration, dans l'hôtellerie, et les loueurs de véhicules, les artisanats d'art, de telle sorte qu'on puisse leur donner déjà une bonne ligne à suivre à l'effet de savoir où commencer et où terminer. Nous avons été sinistrés avec la COVID. Ce n'était pas facile. Et quand nous avons eu l'information de l'agence Côte d'Ivoire PME pour venir nous appuyer dans le secteur, je crois que ça a été la bienvenue. Et les actions qui ont été menées au niveau de San Pedro, notamment dans le Bas-Sassandra, a permis quelques opérateurs au moins de se relever. Je suis le directeur fondateur de l'Académie Naki,
d'enseignement technique, de formation professionnelle. C'est un établissement secondaire de formation professionnelle et d'enseignement technique. Nous formons donc au bac technique et au BT, qui sont des diplômes professionnels. Ce sont donc des diplômes d'État. L'agence Côte d'Ivoire PME de San Pedro est une structure salutaire pour nous. Je vais déjà le dire dès le départ, parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous voyons la manière dont les choses se produisent et ce que ça nous apporte pour le développement de notre petite structure. Depuis 2020, nous avons été approchés par les agences de Côte d'Ivoire PME San Pedro, qui, par le biais de notre cabinet comptable, a pu avoir les dossiers des PME au niveau de San Pedro. Ils se sont adressés au cabinet comptable et le cabinet comptable qui gérait un certain nombre d'entreprises, bien des PME, a sélectionné notre dossier pour le présenter à l'agence Côte d'Ivoire PME de San Pedro. Donc le dossier a été étudié et retenu et nous avons reçu depuis le 21 octobre 2020 un courrier nous notifiant que nous avons été en tout cas retenus parmi ceux qui devraient être bénéficiaire du fonds de soutien, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire PME. Lors d'une cérémonie officielle avec le ministre chargé de la promotion des PME, M. Anoblé Félix, la cérémonie donc d'attribution des fonds de soutien a pu avoir lieu. Nous étions donc à cette cérémonie et nous avons bénéficié. L'agence Côte d'Ivoire PME s'est adressée au CGA et le CGA donc nous a donné l'information. On a produit certains dossiers, mais l'agence PME également a aidé techniquement à monter tous les dossiers et à le rendre, disons, crédible pour qu'il soit éligible au fonds en tant que tel. Ce fonds-là est venu vraiment pour nous soulager un peu, nous a permis de relancer nos activités, d'une part faire face un peu aux engagements qui étaient les nôtres, qu'on n'avait pas pu honorer à temps, relancer l'activité, et puis surtout, ça nous a permis de mettre en exécution notre projet de construction. Parce que nous avons un projet de construction de l'établissement. Donc le fonds aussi nous a aidé à mettre, en tout cas, le terrain en valeur, le chantier en valeur. On a commencé à construire, on n'a pas encore fini, mais on est quand même à un certain niveau. Ça fait 2 ans que je travaille avec ma sœur qui est là présentement. Donc nous sommes 2 ici. J'ai eu la visite des responsables qui sont ici. Puis je me suis fait enrôler. Voici mon atelier de couture qui porte le nom de l'Éternel Couture. En tout cas, ça m'a aidé financièrement. Et aussi, j'ai bénéficié en tout cas d'un bon encadrement. Je continue toujours de me suivre pour voir toujours la bonne marche en tout cas de mon activité. Je n'avais pas de mannequins, j'ai reçu à avoir des mannequins. Aussi, je n'avais pas de machine à boutons à fabriquer. Tout ça, j'ai pu me confectionner. Et puis, je fais un grand pas de matériel de stock pour pouvoir travailler. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.